Bref, t'as compris, moi c'est la loose totale. T'as l'été qui arrive, j'ai toujours zéro plan, évidemment. Y a Titouan qui dort à côté H24, j'ai l'impression d'être tout le temps seule dans l'appart. Bref, c'est génial. Mais attends, toi au moins, tu t'es pas fait mordre par une poule aujourd'hui. Ça a des dents, une poule? Alors, en théorie, non, mais là, je me pose vraiment des questions. Oui, Steve, ça va, je parle. Excuse-moi, hein, là, c'est parce que il est 18h, il a méga faim, c'est l'heure des pois chiches. Ça marche, je te laisse. Attends, c'est chelou, j'attends personne. Ah oui, ça c'est pas Rolo, le co-surfer, j'ai oublié de te prévenir, il s'est inscrit sur l'application ce matin. Le coach de quoi? Attends, je comprends rien là. Non, le co-surfer. Tu sais, on héberge des gens gratuitement. Du coup là, le bon plan, c'est d'inviter des étrangers, comme ça tu discutes un peu avec eux et tu voyages sans bouger de chez toi. C'est une blague, mais moi j'ai pas du tout envie de voyager, je suis très bien ici. Hein. Je te rappelle que la seule fois de ma vie où j'ai voyagé, c'était fini à l'hosto parce que je me suis fait mordre par un lynx en randonnée, donc merci. C'est pire qu'une poule? Je ne crois pas. T'es jamais sérieuse. Excuse-moi, je te laisse là parce qu'il est super énervé là, Steve. Ce que je fais, c'est que je te rappelle demain, d'accord? Bisous, bisous, la bise à Paolo, voilà. Il est pour qui le petit mousse? Mais il est pour le petit Steve, tout le monde. Le relou lui aussi. Comment est-ce? Tu Emma, je croyais qu'il n'y avait personne, solo Paolo, tiens, c'est pour toi. Si les fosses ne les mets pas dans l'eau, c'est beaucoup pratique pour le voyage. Le chocolaté, c'est pour toi aussi. Et son fosse aussi, c'est la boîte d'exposition, je me suis aperçu troppo tardo. Quelle est belle la décoration! C'est vraiment très mignon, encore avec la vue par un ami. Ouais, enfin, ça arrête chaussée, hein. Sinon, bonjour. Pronto, si dit en italien. Tu vois, tu connais déjà la langue. Alors ça, voilà. C'est les spaghetti de la poule. C'est pas des fosses? Fosse les pâtes. Aïe, 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 mais c'est sur un crime. Dio mio, che si dice, perdonale. Ah, tout pareil que toi. Tu vois, tu as déjà de l'humour, hein. Par contre, donne-moi un grand perdon, j'ai soif. Ah ouais, toi, t'es tranquille, hein. En même temps, vu ce que tu parles, ça m'étonne pas que t'aies soif. Tu sais, on va désentendre tous les deux. Allez, viens. Allez, viens, ça. Fais comme je suis pour rester là. Ah, c'est gentil. J'avais vraiment très soif. Ah, tu vois, quand tu bois, c'est mon moment préféré. L'eau, les pâtes, elles étaient trop salées. Tout le monde, elle était malade. Non, tu vois, ce matin, j'étais dégoûtée que t'arrives chez moi. Et on a quand même bien rigolé. Sérieux? Bah ouais, attends, je te connaissais pas. Je savais même pas c'était quoi le coach surfing. Bah, tu sais, j'ai eu du mal à arriver à Marseille. Ah non? Et alors, j'ai découvert de Roma, j'ai fait Roma-Moscou. Si, Moscou, je l'ai parti, elle est Helsinki. Mais non. C'est le low cost. Helsinki, tu te dis, peut-être ils vont faire direct. Tu rigoles. J'ai fait Londres encore, je suis descendu à Barcelone, on est revenu à Rome, on est revenu à la maison, je rigole. Non, mais arrivé à Marseille, ils ont perdu la valise. Ah non. Catastrophe, si. Comment t'as fait? Ah, c'est pas un gros problème parce que l'Union Européenne, quand tu perds la valise, le vol est in ritardo et annulé, allora t'as l'Union Européenne qui garantit le remboursement des vols des billets. Mais c'est trop bien. Attends, moi aux États-Unis, tu sais, j'ai raté ma correspondance et je rachète un billet. La prochaine fois, je viendrai avec toi en Italie. Et viens à l'Italie, tu jettes une pièce d'euro dans les fontaines de Trevise et tu fais le vœu, aucun vol in ritardo. J'ai l'expérience des pièces d'euro, je fais le tour d'Europe pour les attraper tous. Comme les Pokémon. Si, des Pokémon, attrapez-les tous, c'est une vanne. Je l'ai compris, parce que c'est pas drôle. Si tu lui fais des blagues, il faut... c'est les acariennes partout. Non, bah, je trouve ça trop bien ce que tu fais de faire le tour d'Europe et tout. Moi, j'oserais jamais faire ça, je suis partie une fois dans ma vie. Aux États-Unis, ça m'a coûté une blinde à l'hôpital. Avec la carte européenne d'assurance maladie, tu la passes dans la machine, alors tout est réglé. Mais il faut que je bouge un peu en Europe, moi, je veux refaire mon passeport. Tiens. Mais tu n'as pas besoin de passeport pour voyager l'Europe. Tu es vraiment le blondia. Et alors? Mais tu sais, je vais regarder dans Bêche les vols ce que ça vaut par curiosité. J'ai trop envie de partir, je fais rien cet été. Mais quel est le cost? On fait beaucoup plus de pays. Allô? Ciao, bello, come stai? Si, ho mio fratello Teodoro, si. Aspetta, ascoltami. Ho trovato una bella bionda, la più bella ragazza del mondo. Si, si chiama... Ok, ciao bello. Et c'est mon fratello Gianpaolo, il a jamais le temps, toujours le travail. Ah bah dis donc, vous aviez l'air hyper énervé au téléphone. Pas du tout, je l'aime beaucoup. Je l'ai rigolade avec lui, c'est mon fratello, je l'appelle 4 fois par jour. D'Italie? Si.
Il m'appelle, je l'appelle, le problème. Mais ça doit te coûter une blinde, non? Et tu veux le crocher dans la tête pour le réveiller? Et je veux que je fasse la mise à jour. Alors, en Europe, tutti les internet, les appels, dentro les pays de l'Europe, c'est les gratis. Sérieux? Mais attends, moi je viens avec toi, j'avais rien à faire cet été, c'est bon, je te suis dans ton tour d'Europe. D'accord, d'accord. T'as l'air content, hein? Si, mais une seule condition. C'est quoi? Prends le verre, on va trinquer. Eh, c'est pas vrai! Eh, tiens, prends ça! Et alors, comment stai? Il bat uno, eh, comment ça? Tu me mets toutes les acariens sur moi? Ah, peux pas dormir tranquille ici? J'ai interrompu ma sieste de 8 heures! Tu as un petit copain? Tu me dis pas si le petit copain. Oh, qui mec! Chocolat, comment? Le problème, c'est que j'ai pas fait assez de carbonara, hein! Vieni qui, vieni! Oh là là, quel kiwi! Ce con depuis tout à l'heure. Hein? Regarde-moi.